Les radiesthésistes travaillent sur les ondes de forme à partir des découvertes qui ont été faites par un certain nombre de radiesthésistes physiciens, tels les yeux, Joury, Belisa et Morel, qui se sont intéressés en particulier aux constructions d'une culture très ancienne qui est l'Égypte. Et qu'à partir de là, ils se sont rendus compte que certaines formes avaient été utilisées et maîtrisées, on peut dire, par les Égyptiens, et non pas d'une manière anodine, mais d'une manière très très précise. À partir de ces études, messieurs Chauvry, Belisa et Morel, on en déduit que le domaine de la géométrie était un domaine très intéressant, car en fait, toutes les formes émettaient des ondes. Et qu'à travers les connaissances des Égyptiens, on a pu s'apercevoir que les formes émettaient également des micro-vibrations. Et qu'en fonction des dimensions, des proportions qui étaient utilisées, on allait obtenir des énergies très spécifiques qui pouvaient être, on va dire, très performantes dans certains domaines. Et qu'à partir de là, eh bien, ces trois personnages se sont servis de ces formes, de ces proportions en géométrie, et nous ont permis d'induire dans nos outils, on va dire, de radiesthésistes, de géobiologues également, des pendules, entre autres, qui sont des pendules émetteurs. Et qu'à partir de ces pendules émetteurs, on allait pouvoir induire certaines énergies qui peuvent être utiles soit dans le domaine de la radiesthésie, mais qui pourront également être utilisées dans le domaine des thérapies magnétiques, en particulier dans les utilisations à distance. Mais les ondes de forme sont plus spécifiquement utilisées en radiesthésie, car on va aborder grâce aux ondes de forme un domaine tout à fait particulier qui est le domaine de la radionique. La radionique, on pourrait définir la radionique comme un domaine qui va utiliser en particulier des formes comme amplificateurs d'énergie. Il existe évidemment des appareils de radionique, mais nous, ce qui va nous intéresser en radiesthésie, ce sont les formes qui vont induire des énergies très puissantes et que l'on va utiliser pour amplifier un travail à distance particulièrement, puisqu'en fait la radionique va nous servir dans tous les travaux de radiesthésie à distance. Donc là, on peut faire référence à certaines formes géométriques que tout le monde connaît, comme par exemple, on va étudier la pyramide par rapport aux dimensions et aux proportions de la pyramide de Khéops. On va utiliser des ondes de forme comme par exemple le dodécaèdre, qui va faire référence d'ailleurs à ce que nous avons tous appris à l'école, c'est-à-dire les solides de Platon. On va réétudier les solides de Platon, mais avec une autre vision, c'est-à-dire avec une vision de radiesthésiste, pour les utiliser à partir de leurs énergies. Et là, on va vraiment entrer dans le domaine de l'émission de forme qui va pouvoir toucher tous les domaines de la vie, car à partir du moment où on a une onde à amplifier, on pourra l'amplifier à partir d'un certain nombre de désidérata. Voilà, je dirais que j'ai résumé un petit peu ce que l'on va aborder, tout en précisant qu'il y aura bien sûr des définitions, une approche pratique, théorique des ondes de forme, mais bien sûr une application dans la vie de tous les jours, pour tout un chacun. Écoutez, je vous remercie Jocelyne, et puis à cet automne pour nous retrouver. Eh bien, moi aussi, avec grand plaisir.